Je pense que c'est une question qu'on se pose tous depuis quelques heures. Mais qu'est-ce qui va vous manquer le plus, Jean-Luc? Je sais pas, Thierry, beaucoup de choses. Rien en particulier qui vous passe par l'esprit? Je serais tenté de dire que ce sont les choses les plus simples qui vont me manquer. La tarte fraise de ma mère, les promenades au bord du lac avec mon oncle. Et bien sûr, vous, Thierry. Vous allez me manquer aussi, Jean-Luc. 11 ans à émettre avec vous, c'est pas rien. Pour ceux qui nous écoutent toujours, nous vous rappelons qu'il est 15h40. Ça ne devrait plus tarder, selon le peu que nous sachions. Nous espérons de tout cœur que vous êtes entouré de ceux que vous aimez, et plus important encore, que vous leur dites à quel point. Nous avons traversé bien des époques, et gardez en tête que notre histoire, même si parfois chaotique, a été la plus belle et la plus riche de tous les temps. Ne vous laissez pas abattre. Au contraire. Soyez fiers d'être ce que vous avez été, de ce que vous êtes. Soyez fiers d'être humain. N'ayez pas peur. Ne soyez pas en colère. Oubliez vos rancunes et vos échecs et contentez-vous de serrer dans vos bras la personne la plus proche de vous et dites-lui que vous l'aimez. C'est le pardon et l'amour qui font de nous des êtres nobles. Il est 15h41, Thierry. Auriez-vous un dernier message à faire passer? À ma femme et mon fils qui sont en sécurité avec ma mère et que je n'ai pas eu le temps de rejoindre. Marianne, si tu m'entends, surtout ne bouge pas. Reste où tu es. Dis à maman que tout va bien se passer et embrasse Nicolas. Fiston, si tu m'écoutes, sache que papa va bien et qu'il pense très fort à toi. Maman et moi, on est tellement, tellement fiers de toi. Alors je veux que tu fasses un gros câlin à Monsieur Doudou de ma part et que tu fermes les yeux et que tu t'endormes. Papa t'aime et te rejoindra vite, c'est promis. Je voudrais pas vous presser, Thierry, mais il semblerait que ça commence. Coucou, chérie, ça va? Excusez-moi. Ah, dis donc, je viens de récolter les tomates dans le jardin. Qu'est-ce qu'il fait chaud, t'as vu ça? Mes chers amis, n'ayez pas peur. Ça va, ton père, aujourd'hui? Tout se passera bien. Je vais te déposer le cartouche. Il est temps pour Jean-Luc et moi. Tu l'as vu? Qu'est-ce que tu aimais ça quand nous allons vous laisser avec un dernier morceau. On a longtemps hésité, mais on s'est dit qu'il fallait se quitter en beauté sur une touche d'espoir et de joie. De l'autre côté, les amis. Bon courage à tous et que Dieu vous garde. C'était Jean-Luc et Thierry, nous sommes le 13 mars 1984 et il est 15h43.